Bonsoir tout le monde. Je pense que le Seigneur m'a touché. Selon ces soirées, d'après le message de Paul, je ne suis pas digne d'être là devant pour l'interprétation. Je ne suis pas digne devant le Seigneur. Et je me rappelle autrefois de tabasser mon épouse. Il murmurait l'argent que je recevais. C'est mon argent, tu n'as pas le droit de toucher. Ainsi que mes enfants. Après le message que le serviteur avait donné, Dieu m'a touché mon cœur. Je suis sale devant lui. Sale. Demande pardon à mon épouse, ma jeune nuit. Après, j'emmenais des paroles à mon épouse comme ça, sur les autres sœurs. Je ne suis pas digne d'être là devant, interprété. Oui, ainsi que mes enfants, lui demander pardon, mon épouse. D'après le message, au moment où il y a le mariage, un couple juif en Israël, j'ai retenu ça. Après le mariage, il faut que le couple parte en vacances pour fonder leur foi pendant un an. Et je pense que moi, il faut cela. Il faut que je m'humilie devant vous et devant premièrement le Seigneur. Parce qu'il est saint. Il est saint. Je ne peux pas être là devant. Même si il m'a donné des talents, il faut que je demande pardon à ma famille, à mon foyer en premier. Voilà ce que je voudrais donner mon témoignage. Merci Seigneur. Amen. Quand le réveil commence à se mettre en place, quand le réveil, il y a des confessions, il y a la repentance, les familles sont restaurées. Gloire à Dieu, le frère tabassait sa femme, maintenant il a compris qu'il ne faut plus qu'il le fasse. Et bien voilà, que le Seigneur soit béni.